Coucou mes chouchous, bidou bidou, ah chouchou, bébé, doudou. Alors, je reviens pour un retour de course, mais tout d'abord, je voulais vous expliquer quelque chose. Voilà, en ce moment, je vous le dis parce que je travaille pas jusqu'à la fin du mois, parce que malheureusement, au travail, je suis en souffrance et je ne peux plus travailler pour le moment dans le service où je suis. Donc, du coup, ils m'ont dit de rester à la maison et je leur ai dit mais moi je suis très bien chez moi, c'est au travail que je souffre. Du coup bah voilà, du coup je vous dis je me suis acheté plein de petites courses pour manger le midi pour faire la feignante, mais j'avais besoin de vous confier ça. C'est pas parce qu'on a un sourire comme ça qu'on a des voilà, parce que moi je suis de nature comme ça, mais quand on est comme ça quelquefois on dérange. Et du coup, voilà, ben, j'avais besoin de vous faire un petit topo sur ça. Voilà, il y a des personnes de mon entourage et des personnes, des youtubeuses qui me connaissent très bien. C'est plus mes amis que des youtubeuses d'ailleurs, c'est des amis. Et qui me connaissent très bien et qui savent ma situation. Et du coup, voilà. Donc je tiens à vous dire. Et quand bien même si une personne regarde, parce qu'elle dit, ouais, nana, celle-là, elle est nanana, il faut savoir que si il n'y avait pas ce problème-là, je serai au travail. Malheureusement, il y a un gros souci et du coup, ben, je me retrouve, comment dire, à la maison. Et je suis très heureuse d'être à la maison. J'attends d'avoir un nouveau service, un service qui soit bien, que je sois bien, que j'ai pas de problème de souffrance énorme. Et à partir de là, moi, je suis pas feignante du tout. Je suis quelqu'un de très courageux. Je m'arrête pas facilement comme ça. La fois où j'ai été arrêtée très longtemps, c'est quand j'ai eu un cancer du sein. Mais là, j'ai pas envie de nouveau d'être malade à cause de certaines choses, d'une souffrance au travail. Voili, voilou! Alors maintenant, ben, allez, hop, on change, on pense à autre chose, ok? Et oui, et quand bien même, j'oubliais, quand bien même si ça dérange des personnes, voilà, chez moi, je suis bien, je suis heureuse, regardez, je suis joyeuse, j'ai fait des défilés, j'ai fait des choses, mais dès que j'arrive au bureau, c'est une catastrophe, j'ai des palpitations, je suis pas bien, je suis angoissée, il n'y a plus rien qui va, voilà, donc c'est plus possible. Donc pour le moment, en attendant, je pense qu'ils vont faire vite et vont me trouver un nouveau poste et je serai très heureuse. Donc voilà, allez, on y va. On fait le petit retour de course. Yeah. Donc du coup, ben, comme je suis à la maison, eh ben, j'ai pris de la mâche, 1 euro. Franchement, elle est très bonne et on mange ça tous les jours avec Yannick. J'ai pris, il y avait une petite promo sur la brioche, 1,25 € parce que ça m'empêche pas de manger. Hein, au travail, oui, je suis déprime, mais pas ici. Ça, ce que j'adore pour me faire des petits plaisirs, 1 euro et des bananes. Une betterave, j'ai intérêt à la ranger, je vous le dis pas, une betterave fraîche pour aller avec la mâche, je l'ai payée 79 centimes. Alors là, je comprends pas, des pamplemousses, je pense qu'ils se sont trompés sur le prix. Il n'y avait pas le prix, ils ont demandé le prix 1,25 €. Je crois que j'en ai acheté plein. Hein. Des pamplemousses corse, 1,25 €. Je goûterai, je vous dirai. Mes petits Queen Amann, alors je sais pas s'ils sont. Ah, ceux-là, ils sont pas la framboise, tant pis. J'ai pris 2 petits Queen Amann pour moi, pour dans la semaine, pour grignoter. Je sais pas le prix. 2 euros, même pas, je crois. J'ai pris ça ce soir, hein, quand je dis que je suis feignante, parce que malgré tout, voilà, malgré tout, j'ai pas envie de faire de cuisine, voilà, j'ai un petit peu dégoûté de pas mal de trucs, malgré que j'essaye de faire plein de choses qui me plaisent beaucoup, parce que voilà, je suis. Mais vous inquiétez pas, je suis comme ça. C'est moi. Ceci, c'est une paella de mer. Alors, il y a des moules, du colin, du poivron rouge, des encornets, des crevettes, des petits pois, du sel et du piment. J'ai payé ça 7 euros pour 2 personnes pour ce soir. Je trouve que c'est parfait. J'ai acheté aussi ça parce que je vous montrerai. J'ai une amie. Ouais, j'ai des amis en or, c'est vrai. J'ai une amie que je connais depuis 30 ans. Qui m'a dit, Sybille, viens, je vais te donner des robes, des vêtements, un petit peu. Oh, mais je suis partie avec un sac plein, je vais vous faire une vidéo. Du coup, j'ai acheté ceci, mais je l'ai pris en noir. Il est un peu imitation Sky, je l'ai pris en noir. Il est pas mal du tout. Je sais pas si vous voyez. Voilà, donc je vais mettre plein de choses dedans. Au lieu de 39 euros, je l'ai négocié, parce que moi, je suis une négociatrice, je l'ai négocié à 33. Je sais, c'est un petit magasin en plus, hein, mais bon voilà. Je reprends toujours mes petits cerises morceaux moelleux à 2 euros. J'adore.
Ah, bien sûr, alors ça, je sais, là, vous allez dire, j'abuse. Voilà, j'ai pris ça. Des endives au jambon, j'en ai pris quatre. Parce que j'adore. Et le midi, je me ferai ça. Génial. Ça, j'ai pris pour mon fils. Mais vous savez, je sais très bien cuisiner, hein. Mon fils aussi, il n'a pas envie de faire à manger. Alors, donc, lui, il veut manger des crocs. Quand je me déciderai à manger, je sais faire très, très bien à manger, hein. Voilà, ça, j'ai pris ça aussi. J'ai pour le midi, hein. Parce que j'ai pas du tout envie de faire à manger. Ça, j'ai payé 2 euros. C'est des petits filets de violaille à la viennoise. Ça, j'ai payé 2,45 €. C'est des croque-monsieur au côté. Ça, c'est des croque-monsieur sans croûte. J'ai payé 2 euros. J'en ai racheté un autre, je crois. Et celui-là, aux chèvres, 2,40 €. Des endives au jambon. Non, mais la fille, complètement barge. Elle mange que des endives au jambon. Des endives au jambon, 2,95 € de paquet. Je vais devenir une endive. Tagliatelle au saumon. Je regarde la date parce que je l'avais achetée. Ah bon, il n'y a pas des. Ah, il n'y a pas des lunettes. Elles sont là. Allez, on y va avec les lunettes. 10 mai, voilà. Donc 10 mai, bah, c'est bon, j'ai le temps. Hein. Et puis, j'ai pris donc le deuxième. Parce que des fois, on n'a pas envie de faire à manger. Donc ça, c'est des tagliatelles au saumon. Voilà, feignante. Je sais, vous pouvez le dire que je suis une feignasse. Hein. Feignasse. Feignasse. Là, j'ai pris de la bavette quand même. À l'échalote. Pour aller avec des petites pommes de terre et une salade de tomates. Et en plus, ça va être mon anniversaire bientôt. À la cuisine. Et puis, oh, je vais au restaurant. Des bananes bio. Parce que j'ai vu des reportages sur. J'ai vu un reportage sur les bananes qui ne sont pas bio. Franchement, honnêtement, moi maintenant j'achète que du bio. J'ai vu ce qui se passe, ils mettent plein de trucs dans les engrais, c'est une catastrophe. Donc moi, je prends bio. Mais vous savez, moi j'aime bien le bio. Mais j'aime aussi ça, regardez. Cannelloni. Voilà, là, alors j'achète aucune boîte. J'achète que les petites boîtes 4 grains en carré et aux petits pois. Et j'achète que les cannelloni. Alors, il faut que je vous dise que je filme avec mon logiciel, ma webcam. Je filme pas avec mon téléphone parce qu'il n'est pas chargé, ma caméra non plus. Voilà. Et puis je vous montrerai ce que mon ami m'a donné. D'abord, voilà, je voulais vous dire ça parce que c'était important de me confier à vous quand même, malgré tout, parce que je vous aime, parce que on est de plus en plus nombreux et c'est un petit peu normal de vous dire un peu le pourquoi du comment. Voilà. Et je vous tiendrai au courant et je souhaite de tout cœur avoir un poste qui me convienne parce que bientôt je vais être à la retraite et je ne peux pas vivre comme ça, c'est pas possible. Il faut savoir qu'il y a des années, j'ai été, c'est un peu à cause de ça que j'ai eu un cancer du sein. Donc, j'ai pas envie que ça se refasse. Voilà. Mais, vous aurez toujours votre Sibylle Choubidou avec le sourire et la joie et le bonheur. Et je suis comme ça chez moi, je suis comme ça. Je vais peut-être faire de la peinture, je vais faire plein de choses. Voilà, je vais m'occuper, je vais pas rester inerte. Je vais faire des choses. Il faut savoir que c'est mon travail. C'est la médecine pro qui m'a mis comme ça. Voilà. Mais bon, je lui ai dit que moi, j'étais très bien à la maison. Elle m'a dit, mais le problème, c'est pas qu'il faut être bien à la maison, il faut être bien au travail. Et au travail, c'est pas possible pour le moment. Voilà mes choubidous, je vous aime, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très 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 bientôt pour une nouvelle des vidéos. N'oubliez pas de jouer jusqu'au 19 avril pour ce collier. Et puis, comment dire, voilà, ben, je vous aime, je vous dis I love you, ich liebe dich, te quiero, ti amo. Et je voulais aussi vous dire, décidément, j'arrive pas, et je voulais aussi vous dire que je vais faire une vidéo sur le défilé. J'ai rencontré des personnes formidables. Merci Mimi, grâce à Magali The Maus, il faut aller absolument voir sa chaîne, elle est vraiment formidable. Et grâce à elle, j'ai pu connaître des gens charmants. Et oui, je fais partie des quinquas maintenant. Voili-voilou! À très bientôt. Si ma vidéo vous a plu, un pouce. Si elle ne vous plaît pas, la 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 la. Prends garde à toi, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Yao!